Nous sommes convaincus que dans les échanges que nous allons avoir avec les autorités militaires, mais aussi avec les forces vives de la province de l'Ituri, nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui tous les jours se sacrifient pour la nation, pour la souveraineté de la nation. C'est toujours bien que nous soyons à leur côté pour un réarmement. Les encourager dans le travail qu'ils font parce qu'il est très reconnu et très soutenu par le président de la République.